Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et tous vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour du côté de la Guinée-Conakry où quelque chose de louche se prépare. Après la dissolution du gouvernement, les passeports des ministres se sont retirés leur compte gelé, ce qui prouve que Doumbouya a constaté un détournement des deniers publics. Face à cela, des enquêtes sont en cours. Pendant que les enquêtes sont en cours, le premier ministre Dr. Bernard Goum a réussi à négocier son exil. D'après les dernières nouvelles, Goumou serait du côté du Canada avec l'accord du général Mamadi Doumbouya. Il a été interpellé à l'aéroport. Après des arrestations, Doumbouya a enfin validé son exil. On se pose la question à savoir ce qui se passe réellement. Pourquoi Goumou a décidé de quitter le pays? Ça nous laisse penser que la situation deviendra de plus en plus chaotique en République de Guinée, car dans les jours qui viendront, beaucoup de ministres seront poursuivis par devant la GIF et arrêtés. Pendant ce temps, Doumbouya est en train de ralentir le processus dans le but de faire disparaître certains ministres. Quand les enquêtes seront ouvertes, beaucoup de ministres seront portés disparus et on comprend donc que Doumbouya ne tient pas une fois de plus à sa promesse quand il disait que la justice sera la boussole qui devrait entre autres dire.